Bienvenue sur Télé Pacifique, on va suivre point par point qui c'est un rendez-vous côté nous parler sur réalité pays d'Haïti, problème avec tout ça qui méritait pour nous débattre. Dans point par point, c'est un débat serein, un débat tête frette nous fait sur ça qui concerne le pays, mais tout ça qui a passé dans l'autre pays qui concerne nous directement ou indirectement. Sorti 7 pour arriver 18 novembre passé, te gen dirigeant dans mode là qui était réuni dans Marrakech, dans Maroc, dans cadre 22e conférence des parties COP 22 qui se yon roumblé Nations Unies fait pour parler sur climat. Climat qui représente un problème journée jodia parce que gen en pile manifestation qu'a fait qui pas normal, qui c'est niveau de l'eau qui a augmenté, qui c'est dérèglement qui gagne carrément dans saison yo jamoun yo te ka di et nan oum le sa yo te supposé faire yon suivi sou engagement pays yo te prend année passée dans COP 21 qui c'est sommet qui te fait nan pays la France nan ville Paris mais ça arrivé que année ça nan COP 22 a bagala te marqué chauffé. Bagala te manke chauffé, c'est surtout à cause de Donald Trump qui est nouveau président des États-Unis. Li montre, li pas trop intéressé à débat qu'a fait sur climat. Donald Trump dit causer climat, c'est un bluff, son parole en l'air et ça ont ti jan refroidi débat qui te gagné dans COP 22 parce que les États-Unis c'est un gros morceau dans causer climat ça. Les États-Unis pour contre li avec la Chine représenter 41% émission gaz à effet de serre. Donc, nous avons une idée. Haïti a participé à la COP 22, mais Haïti n'a pas gagné trois gros paroles pour le dire. J'en ai qu'à lâcher ça parce que Haïti, premier pas qui a mérité fait après COP 21, il n'est toujours pas fait. Parce que le Parlement n'a pas jamais ratifié à quoi ça. C'est pour ça aujourd'hui nous gagnons pour nous parler avec un député qui est président commission agriculture et puis membre commission environnement dans la chambre c'est député Tiotla Vickerson Garnier qui était participé dans COP 21 il était dans délégation à bon côté ministre et puis membre et organisation dans société civile là. On va suivre point par point n'a font petit campé n'a tourner tout de suite. Merci parce que vous êtes avec nous sur Télé Pacifique dans point par point. Jeudi, on a parlé sur changement climatique, bataille qu'a fait pour redresser des autres ça, déséquilibre ça qui gagnait dans le climat. Et on a parlé de COP 22 qui s'est gros roumblé qui était fait sur 17 privé 18 novembre passé à Haïti de participer. Et jeudi, nous avons avec nous député Vickerson Garnier qui était dans la délégation, c'est président commission agriculture et puis membre commission environnement dans la chambre. Député, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci, Kendi. Et nous avons profité de l'occasion pour que nous saluions toute la population haïtienne qui a suivi l'émission dans l'heure. Ça. Donc, émission point par point sur Télé Pacifique et chaîne 54. Donc, nous demandons et nous souhaitons que toute communauté a suivre pour que nous-mêmes nous capables de discuter, partager l'idée sur la question des règlements climatiques que Kendi souhaite parler là. Non, pas moi, tant que j'ai Kendi souhaite dire, moi, c'est Garnier Vickerson, moi-même, c'est ingénieur agronome, c'est une maîtrise dans l'écologie quantitative, nous c'est également étudiant en droit, étudiant finissant. Donc, moi-même, je suis président de la commission agriculture et sécurité alimentaire. Là, donc, c'est député Tchot. Député Tchot. Député qui j'ai été au COP 22 et surtout qui j'ai été au participation à Haïti. Bon, Fon dit que le COP 22 a été déroulé du 7 au 18, il est fait en deux temps. En premier temps, côté que vous gagnez les directeurs généraux, ensemble des institutions, que ce soit étatiques ou civiles, qui allaient, qui ont préparé le COP 22, deuxième semaine, qui était parti sur 12 ou 18. Donc, moi-même,
et une opportunité pour que me participer dans période 12 au 18 là ensemble avec et ministre de l'environnement et ministre de l'environnement t'ai gagné chef cabinet li, qui était là et t'ai gagné ministère de planification qui était dans Coplan t'ai gagné et société civile là des organisations qui était venu représenter dans Coplan nous t'ai gagné ministère de l'économie et des finances qui était là dedans nous t'ai gagné également des journaliste qui était accompagné délégation et délégation donc moi-même c'est moi-même qui t'a représenté chambre des députés donc pour que nous t'es capable suivre et participer dans débat sur COP 22 donc c'est un débat pour nous nous trouver que Haïti était motivé parce que on t'es suivre motivation que ce soit dans prise de position dans déroulement dans dévouement et différentes entités que nous parler là. Donc, que je trouvé qui était vraiment intéressant pour que tout le monde connaisse que les affaires climat, les affaires environnement, ce n'est pas les affaires ministère de l'environnement en tant que tel pour compte lui, mais c'est les affaires nous toutes. Et intervention Haïti par le biais de ministre environnement, Jussel Simondera, qui ont trouvé discours, qui ont trouvé positionnement Haïti. Et ministre qui prend la parole et dans nos pays nous donc et ministre nous donc il prend la parole dans nos pays d'Haïti côté que lui il essayer aborder question avec un peu de souplesse pour que lui montrer que et Haïti comprenne dynamique et changement climatique et d'ailleurs même si dans discours là lui montrer que même si pour gagner des liens qui établi qui prouve que question que chaque fois gagne des règlements climatiques là lui pousse aux telles catastrophes donc mais ministère à travers discours lui montre que nous même en tant que pays qui est un pays qui est vulnérable donc Haïti lui frappé récemment c'est un cas de catastrophe Mathieu qui se passé là donc environ 600 monde perdu la vie dans le grand sud et sans compter problème différents dégâts que nous enregistré dans le grand sud et dans discours ministre il était fait ressortir question que qui motivation Haïti qui ça Haïti prend comme engagement. Haïti, donc, dans le discours ministériel, il a montré que Haïti a décidé pour que les travailleurs, à travers l'action qu'il a mis en œuvre, pour voir si vous êtes capable de contribuer d'une manière générale à réduire gaz et émissions de gaz à effet de serre, donc jusqu'à 1,5 et éventuellement, dans différents départements, dont la Gandance, côté que et Mario, association des Mario, vous même yo aller pour dire que y a baissé utiliser au thermi et gen l'autre monde qui a fait des tentatives qui extrêmement intéressant donc ouais Haïti sous participer nan réduit et émission gaz à effet de serre donc ça c'est une bonne nouvelle et noté ouais ministère de l'économie et des finances ainsi que le ministère de la planification à travers monde qui était à représenter pour qui était allé représenter yo nous t'ai que yo participé dans débat sur question fonds verts yo etc donc que me pensais que plaidoyer était intéressant et dans discours ministre encore nous t'ai parlé de justice climatique que Haïti nous connaît nous-mêmes nous pas et comme on se dit dans l'introduction à l'émission que Haïti pas yon principal pays cap émettre et gaz ça yo donc nous-mêmes et en tant que producteur c'est nous dans l'ordre de 0,0 combien pourcent donc ça veut dire que et si il y a justice qui doit bailler donc nous même faut-il parce que en termes de justice climatique faut Haïti ta bénéficier ça et comme ça nous avons contribué dans réorienter donc action n'a fait dans sur plan environnemental et puisque c'était une délégation haïtienne est-ce que position qui t'est exprimée a c'est un minimum d'entente sur lui. Évidemment, c'était une position qui était gagnée entente sur lui, entente entre différents ministères qui étaient gagnés pour te prendre la parole sous affaire ça. Et moi-même, en tant que parlementaire, donc moi j'ai partagé opinion et discours. Donc parce que en fait, c'est là nous. Donc on va remarquer que dans le discours et ministère t'es parler pour dire que parlementaire yo donc yo t'es introduit dossier à accord de Paris à dans parlement haïtien donc li pas de chance voter non et dernière assemblée nationale là et que nous-mêmes nous estimons que et que
pral gagner à quoi ça pral venir vote là. Alors président et alors ministre Dira il parlait de quelques initiatives qui a pris en Haïti sous question changement climatique qui t'a montré pays a les conscients de problématique là et la travaille pour redressement situation hein. Sauf que on a l'impression que il parlait de quelques initiatives nous t'a dit qu'il isole les c'est pas de initiatives qui sortit au plus haut sommet de l'État. Donc là il parlait de ça qui a passé et comme proposition magistrat dans grandance ça son initiative nous t'a dit qu'il isole parce que il pas sorti dans gouvernement dans pouvoir central là qui je comprends ça. Est-ce que ça suffit pour dire que Haïti conscient de problème changement climatique là et la travail puisque l'État est-ce que l'État là selon vous et moi mes questions ça pour nous dire que étant à Marrakech nous t'as participé dans l'émission sur une station radio et qui c'est Minusta FM de côté que nous t'as expliqué que et gens que nous ouais représentants ont été motivés nous dit que gagne un problème quelque part les problèmes dans dit quelque part dans l'existé c'est parce que en fait et moi-même moi était dans chambre député là budget de la république là t'est venu dans même moi était analysé minutieusement budget là côté que moi t'a suivre qui poids que yo accordé avec le ministère de l'environnement à travers les différentes activités qui pour accoucher accord de Paris. Donc et ça t'a dérangé grandement et que me t'ai sous tribune me dit ça, me dit que n'est pas intéressant du tout pour que gouvernement donc et par exemple notre président Jocelyne Privé lui il a été à Paris. Donc alors, pardon, motivé que l'été participe dans l'accord de Paris, l'État l'ancien accord. C'est signature là. Et signature là. Dans les Nations Unies. Et dans les Nations Unies. Et ça qui n'était pas intéressant du tout, c'est lorsque le budget pays a venu, ou pas une manifestation intérêt là-dedans. Et si le gouvernement dit priorité, c'est, faut que c'est environnement. Non, well, dans budget. Dans budget, il est supposé traduire la réalité. Là. Donc, ce n'est pas que l'on dit que l'on fait discours que les priorités, c'est ça. Mais, et, non, tandis que l'on capitalisé lorsqu'on met en œuvre des actions, ou pas, ouais, que l'action s'est sauté. Donc, ça te dérange, nous, grandement. Et là, nous avons profité de l'occasion pour nous dire, gouvernement, donc, il est extrêmement important pour que nous prenions des engagements, surtout ces engagements qui ont d'autres caractères généraux, mais par suite, il n'est pas intéressant que nous prenions engagement en tant qu'on a dit, dans signé papier, mais dans l'action, dans la mise en œuvre. Donc, il faut bien ce que nous avons. Et si, moi-même, je me rappelle que dans le budget du ministère de l'Environnement, ce soit dit 30,5 millions de gouttes pour une question de reboisement national, à noter que carbone pour si vous avez besoin réduire émission gaz à effet de serre sous passer par CO2 par exemple donc et ou gagner et pied bois qui capable capter CO2 donc et ou gagner des pratiques agricoles que capable développer qui pour capter CO2 ou gagner par exemple et dans élevage là budget soit regarder budget ministère de l'agriculture qui est environ 7.1 milliards de gourdes etc c'est environ 0.3% qui est allé dans élevage or ou gagner élevage bovin qui produit méthane donc ou pas ouais côté que il y a travail vrai techniquement pour que yo réduit émission gaz à effet de serre tandis que nous te dit là dans discours ministre là. Donc, il faut que nous travaillons pour nous réduire l'émission de gaz à effet de serre jusqu'à 1,5%. Donc là, je pense que il y a un engagement pour nous prendre sous papier, il y a un engagement pour nous prendre et concrètement pour que nous bâillons une réponse. Et nous pensons que si le gouvernement travaille dans le sens et pour que il y ait des actions concrètes dans l'environnement, parce que nous avons des exemples en bas chez nous. Moi-même, en tant que député de Tchot, donc qui passe en dans forêt des pins pour mal la chaque jour donc les m'a passe en dans forêt des pins c'est catastrophe donc et qui ça qui empêchait que l'État ici à travers un programme côté que lui essayer d'une part identifier mounio qui en dans forêt délocaliser mounio
bayou l'autre activité génératrice de revenus et offrir à la communauté haïtienne l'autre source, une source alternative de d'énergie. Donc c'est ça qui doit être fait. Mais jusqu'à présent, ouais, par exemple, encore là, m'a profité de dire que j'étais très très déçu comme si par rapport avec Jean ouais budget pays à charpenter et ça n'a pris comme objectif sous plan mais il y a un élan de solidarité internationale qui possible pour Haïti de ka bénéficier jodi a président alors m toujours dit président ministre des rali mandé pour gros pays yo ta courir pipiti yo nan bataille contre changement climatique là. Mais est-ce que ou gen impression que Haïti li mete l au pas et li mete l prêt pour ta accueillir solidarité ça? Effectivement, c'est moi-même encore là, m'ai partagé l'idée avec le ministre et c'est vraiment intéressant pour que nous lancer des débats pour nous demander élan, pour nous demander coup de main parce que c'est dans le cadre de justice climatique que nous avons parlé à justice climatique parce que nous-mêmes, tant que j'ai dit déjà que c'est pas nous-mêmes qui est principal pollueur. Donc et là, par contre, nous avons des devoirs pas nous pour nous mettre au propre. Devoirs pas nous pour nous mettre au propre, c'est parce que nous gagnons accord de Paris hein, qui doit inévitablement ratifié par notre Parlement haïtien. Et parce que, en fait, lorsque l'accord ça a pas ratifié, ça traduit. Ça traduit que moi-même qui représente Tchot, beaucoup d'accord avec l'accord ça. Oui. Donc, l'autre député qui, par exemple, là, nous sommes sur Pétionville, donc député directeur, beaucoup d'accord, donc population Pétionville, là, beaucoup d'accord avec accord ça donc ensemble non, théoriquement c'est Haïti qui pas beaucoup d'accord donc en gros avec c'est Haïti beaucoup d'accord avec bagaille ça même si n'a pas parlé même si nous montrer que nous des engagements que nous envie prendre mais il y a tant nous non chemin non carrefour qui s'est ratifié accord de Paris et c'est premier pas que nous devons faire et c'était bon, que nous encore devons faire un petit peu et pas de faire Haïti trop bien et pas de faire nos trop belles postures et sur l'international parce que tout le monde qui votait accord de Paris elle est revenu donc il est capable de parler donc il a frappé les sous-marques qu'on a là il a demandé justice climatique là sans problème donc il y a pas eu aucune contrainte. Mais nous-mêmes, nous sommes obligés plus sages que possible parce que nous avons contraintes et contraintes. Tout à l'heure, vous venez avec le concept de justice climatique et la question du changement climatique là-même, il y a tout sens parce que Haïti n'est pas parmi les pays les grands pollueurs, mais nous parmi les grandes victimes. Et c'est là justice ça qui est tout ça. Évidemment, c'est pour ça que nous dit dans l'introduction des que même si nous pouvons traduire techniquement pour qu'il y ait des faits qui prouvent que il y a une causalité fois, hein? Causalité hein? OK mm-hmm. Donc il montre que chaque fois et changement climatique là et facteur dérèglement en fait donc nous parlons arriver dans telle catastrophe. Mais ça que nous avons constaté, que j'y ai constaté, c'est que fréquence et fléau, ouragan, il a augmenté depuis un certain nombre d'années. Oui. Et ça, il a cherché pour voir est-ce qu'il n'est pas directement lié avec le changement climatique. Là. Et le changement climatique là que nous sommes vivre l'année passée, surtout avec le phénomène El Niño qui mettez agriculture à genoux. Bon, là encore, un gros débat pour nous dire que pendant que nous avons parlé là, je vous dis, je suis convaincu que ma parlé et gain yon parti dans la population haïtienne qui que ce soit en Haïti et qui est à l'étranger, cap gardé, cap tendé, cap suivi mission ça. On m'a parlé pendant que moi connais tout gon parti dans la population haïtienne notamment la caille moi tchot qui pas tendé émission ça. Et le fait que les papes tendent les papes suivent l'émission ça, donc comment moun sa yo pral, pendant que y a vive changement climatique là, yo pas informé de questions ça. Donc qu'on y a qui dynamisme que le gouvernement doit développer pour que moun sa yo connaît ça. Et comment on pral demander population tchot là, agriculteurs yo pour que yo adapté yo par rapport avec ça qui passé. Un gros désaccord avant député. Est-ce que nous ka mandé agriculteurs pour adapter ou bien nous devons apprendre à adapter.
eh bien donc son pédagogie que ce soit nous dit n'apprend apprendre donc c'est apprentissage puis après c'est eux même qui pour dégager pour mettre au pas parce que nous pas tout le temps là et d'ailleurs la preuve en est bien grande donc ou pas on a pile technicien dans milieu rural yo paysan ou la pour contre donc comment si nous dit n'a mettre moun combien moun nous n'a mettre donc c'est là gon vaste sensibilisation qui supposé faite à travers différentes entités qui concernent yo pour que agriculteurs yo connaissent par exemple si vous voulez m'a prendre un bref vidéo et Haïti gagne deux grandes saisons pluvieuses et comme ça nous dit les parties de mi-février d'une manière générale de mi-février pour arriver mi-juin et de mi-juin pour juillet août on gagne une saison sèche et de août septembre octobre novembre et mi-novembre on gagne une saison pluvieuse et décembre janvier à mi-février on l'autre saison sèche. Tout agriculteur par exemple mon membre qui te connait faire jardin il planifie à partir du calendrier ça. Ouais. Et lorsque il connaît ce comme ça calendrier donc dans saison sèche c'est saison pour nous faire préparation de sol et les ça et saison pour nous faire séchage également. On a imaginé que changement modification vient à faire dans paramètres yo. Donc la pluie vient pas tomber dans date li kon tomber encore. Donc faut ta gain tout yon l'autre calendrier. On l'autre calendrier et calendrier ça faut c'est bien parce que c'est lui-même c'est observation, c'est compréhension, c'est analyse qui pour faire mais il y a besoin de toutes les données techniques et au besoin alors au c'est bien regrettable. Faut des techniciens. C'est bien regrettable ou non activité comme ça. Le ministère de l'agriculture n'a pas été présent. Ni t'idoué là parce que en fait changement ça m'a pas là là les concerné dans domaine agricole là et dans domaine agricole là qu'on a faute parce que il y a des révisions qui fait, il y a adaptation qui fait par rapport avec planification que y a fait. Il a parlé des campagnes etc. campagne printemps etc. faute parce que il a bien tenu compte de mode de dérèglement ça. On va suivre point par point sur Télé Pacifique et on va recevoir aujourd'hui député Tiot Vickerson Garnier. Il est président de la commission agriculture, il est membre de la commission environnement. On a fait un petit bras cellulaire sur COP22 qui est fait dans Marrakech, dans le pays Maroc. Restez avec nous, on va tourner tout à l'heure. Merci parce que vous êtes avec nous sur Télé Pacifique. Vous avez suivi point par point. Aujourd'hui, on a parlé de changement climatique, mais nous avons apprêté sur COP22 qui s'est fait dans Marrakech, dans le pays Maroc. Haïti a participé. Et nous avons avec nous un monde qui était dans la délégation. C'est le député Vickerson Garnier, qui est député Tchot, président de la commission agriculture et puis membre de la commission environnement dans Chamnan. Député Garnier, nous t'a parlé tout à l'heure de adaptation. Adaptation qui c'est yon parole importante dans causer changement climatique là et dans intervention ministre Dieuseul Simon Dera, il était insisté sur nécessité qui gagnait pour pays en développement yo joignent bourade. Bon côté plus gros pays yo, il parlait de appui financier, appui technique. Mais qui gens ou est question ça et puis est-ce que vous avez élaboré plus pour moun yo sur ça ou ta dû comprendre les dit adaptation et tout à l'heure m'a enchaîné pour me dire que sous prend m'a prendre un exemple une étude de cas à Tiot. Tiot nous fait café, nous gagne des périodes que nous planifions café ya. Nous fait légumes, nous gagne des périodes, nous connaissons telle période n'a récolter légumes, n'a planté dans telle période, n'a récolté dans telle période, mais tout ça en fonction de la pluie. Alors paramètres facteurs climatiques nous tenir compte là c'est pluviométrie et deuxième bagaille humidité relative. N'a travaillé sur ça. Pendant que n'a pensé avec pluviométrie hein, donc chaque fois pauvres agriculteurs, par exemple, sur savane zombie, planifier, nous labourer, nous fouiller terre, mettre à terre pour qu'ils aillent planter. Donc, dans la période où nous fouillons là, qui était normalement la pluie était tombée,
Donc, la pluie vient pas tomber. Ça qui vient de passer, c'est que Théa vient de reprendre Zébanko. Il vient de redire encore. Donc, il n'est pas arrivé à exploiter le moment que vous avez exploité pour vous mettre les semences dans la terre. Mais finalement, ça ne va pas passer. Vous avez une perte qui fait là. Investissement perdu. Qu'on a agriculteur, ça c'est un premier scénario. Deuxième scénario qui arrive, c'est que lorsque lui arrive à joindre la pluie à lui planter, mais comme étant donné, généralement, t'es une saison sèche qui partit de mi-juin pour arriver jusqu'à juillet. Donc, on constate que même dans mi-temps juillet, même dans fin juillet, la pluie a tombé. Qu'on a même agriculteur qui t'a gagné un petit poids dans le jardin, là, il a récolté poids mouillé, il n'y a pas de côté pour le sécher, poids levé. Donc, encore, il poids gâté. Poids gâté. La possibilité à capable de perdre ce semence là à la fois depuis la plantation hein, et jusqu'à la récolte les ne pas capable de faire récolte là. Alors un monde qui compte planter ou bien qui compte réalité paysan yo captain d'eau li gen doit envie comprendre adaptation hein. Est-ce que c'est adapté à nouvelle pluviométrie ou bien c'est adapté en termes de qualité d'enrée à planter. De denrée, yote ka di ki kembe pi fòm, pi fèm par rapport à sécheresse ou bien en pile la pli. Tous les deux cas. Faut qu'on gen des denrées, des semences qui sont résistantes et faut qu'on gagne, faut qu'on joue sur calendrier calendrier pluviométrique là. Faut qu'on garde pour eux et qui gens ou même moi arrange par rapport avec variation ça qu'a fait là. Donc c'est là et c'est ça fait que nous dit pour agriculteur à nos jours il a subi pour ça mais sauf que il faut qu'on comprenne ça qu'a passé là. Et c'est ça qui fait que nous encore réitérer et demander pour nous dire gouvernement donc effectivement et moi comprendre démarche ministre là pour que il attire investissement appui étranger appui pays qui c'est pays amis Haïti yo donc et pays qui a travaillé sur question changement climatique yo qui a adhéré avec accord de Paris hein. Donc mais tout nous mandé pour gouvernement haïtien hein, pour que il traduit ça réalité ça donc adaptation on a parlé là bam c'est me prend encore sur département du sud-est notamment tu donc nous même nous trouvons nous face avec la mer des Caraïbes chaque fois cyclone n'a pas le passé l'a passé quand même dans zone ça et si bah, et relation cause à effet a montré que pour changement climatique en pral t'a pral prouver gain fréquence et cyclone yo pral augmenter donc on a qui ça moins doit apprendre ti moun chotcho faut moi apprendre yo pour que yo et connait chaque fois scénario ça arriver mais qui gens pour me comporter là pour que ou capable venir rendre communauté à beaucoup plus résiliente. Donc laisse ça dans cursus ti moun nan dans niveau éducation faut-il bien que ministère de l'éducation nationale l'adaptation c'est un vaste chantier c'est pas cela veut dire et je veux dire c'est tout le monde qui pour impliquer participer dans la question adaptation ça n'a pas parlé là. Donc et nous se prend comme ministère de l'éducation nationale nous prend comme ministère de l'agriculture nous bord des exemples sur ministère de l'environnement donc ministère de l'environnement là lui-même par exemple qui voulait travailler pour réduire et question gaz à effet de serre donc les gains des politiques que il doit encourager etc. Donc c'est on tant que j'aime dire que il y a des pays c'est la présidence même qui gérait les affaires changement climatique là tellement que ils sont questions qui prioritaires sont questions qui prioritaires donc ils ont obligé à accorder un pile attention avec elles. Donc nous même jour nous dit elle est pas intéressant du tout pour que nous ta comprendre pour nous faire la face avec elles. Donc nous pensons que si c'est face on a fait si c'est la face on a fait nous pensons que les pas intéressant et communauté a donc les pral victimes et les ça c'est nous mêmes nous qui pral et qui pral cause. À noter que environnement pas une frontière. Donc faut-il bien que nous développer des programmes qui vont permettre à ce que mon yo vienne beaucoup plus résilient et comme ça pour nous augmenter la capacité de réponse communauté haïtienne. Mais qualité de bassin n'a fait la jodia n'a pas par point. On dirait il pas arrivé normalement parce que nous
député sénateur yo a traîné toujours avec ratification accord de Paris. Bon, moi-même en tant que parlementaire, je ne pas dire que débat ça pas arrivé dans le parlement. Ou elle pas sensibilisé et collègue yo. Je pas dire débat ça pas arrivé dans le parlement parce que en fait dans au niveau commission environnement nous-mêmes nous travaillons sur accord de Paris, nous discutons avec tout collègue parlementaire yo. Et ou après l'Assemblée nationale, dernière Assemblée nationale qui était doué faite pour faire une session, donc ou après que l'accord de Paris, c'était un point, il était dans le menu, hein, et il a voté unanimement. Tout le monde d'accord, nous connaît, tout parlementaire, donc ça n'a pas rien d'autre sous lui. Ah, mais il y a des paroles qui disent que y a une bataille entre quelques parlementaires avec le ministre de l'Environnement, c'est ça qui retardait et ratification. Bon, et moi-même, à l'heure actuelle, je n'ai pas dit, je n'ai pas eu assez d'arguments pour me dire que j'ai eu une bataille entre le ministère de l'Environnement et quelques parlementaires. Même moi, je parlais de façon plus large pour me dire que, donc, sensibilisation est faite au niveau du Parlement. Je ne dis pas, session approuvée, je garantis que, automatiquement, session approuvée, là, que, ou après menu dans menu accord de Paris a dû figurer la donne nous gagne garantie et m'a informé que par exemple dans chambre députée et pas moins qui levé comme ça malé non c'est sous et c'est commission d'accord que commission environnement connaît que m'balle dans corps plan et chambre des députés connaît m'balle dans corps plan bureau de la chambre des députés connaît m'balle dans corps plan donc c'est parce que en résumé chambre des députés connaît que les gagne engagement par rapport avec corps plan à noter que et président de la Chambre des députés et le président du Sénat de la République, tous les deux étaient dans la signature et aux États-Unis. Et dans la Nations Unies. Et ministre de l'Environnement parlait de l'effort qu'a fait pour Haïti avancer plus dans la question de production d'énergie renouvelable. Il parlait de production de 50 MW d'énergie solaire et éolienne. Est-ce que vous êtes au courant de projets comme ça? Bon, et moi, au courant des idées de projet, moi, malheureusement, les idées de projet, puisque à l'heure actuelle, je ne suis pas dire qui côté projet ça va mettre en œuvre, etc. Donc, moi, au courant. Et maintenant, discours, et ministre, que l'été relaté ça. Et nous pensons que c'est une idée qui vraiment, vraiment est intéressante dans la mesure où le gouvernement lui-même lui prend responsabilité et puis lui commence le travail pour essayer d'alimenter la ville. Effectivement, Haïti, nous avons un pile soleil. Donc, l'énergie solaire, là, nous sommes capables de permettre et utiliser. Nous avons vent, nous sommes capables d'utiliser. Bon, candidat qui fait campagne avec ce qu'on dit là. Bon, et dommage. Donc, dommage. Et parfois, candidat a misé sur méconnaissance et communauté hein, pour que vous dites. Et il fait passer point de vue, mais même à parler de qui ça que potentialité de notre pays, notre cher Haïti, qui ça que lui-même est capable de faire. Donc, évidemment, par exemple, je vous dis là, on pourrait que mon problème grave, tu vois, sous affaire courant, tandis que moi, j'ai 20 cap gaspillé. Moi, j'ai énergie éolienne, solaire. Tous les deux là, pourtant, côté bague et capacité. Donc, ça montre que si le gouvernement, lui-même, à travers des programmes comme ça, que l'État essaie de développer dans le pays, donc, on a pas arrivé et faire une économie. Et même, imaginons que le volume comme moi, qui peut aller dans l'IDH, qui peut aller comme dépense dans l'IDH. Bien dit, je dis investissement non, comme dépense dans l'IDH. Donc imaginez que nous avons fait promotion pour énergie solaire, énergie éolienne. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que nous-mêmes en Haïti, nous n'avons pas entré dans un vrai débat sur le changement climatique là, si nous apprenons à cause d'énergie à seulement? Parce que tout le GFO qu'a fait aujourd'hui là, c'est pour réparer EDH qui c'est un paquet central et qui a viré avec énergie fossile. Alors que ça qu'a fait comme effort dans niveau l'autre pays, c'est garder qui j'ai fait transition énergétique. Ça veut dire passer de énergie fossile à énergie renouvelable. Donc, et ça m'a dit que l'élan qui lance là, l'élan qui gagne là, qu'on a gagné l'élan là, côté que, et, par exemple, à travers le ministère de l'Environnement et les différents représentants des différents ministères concernés qui étaient allés dans le COP,
nous remarquons qu'il y a une motivation, une sensibilisation qui montre que vous t'a remis traduit ça et dans la réalité. Dans ce cas, nous comprenons que vous avez enclenché le processus là et nous avons mis un carrefour côté que nous parlons pour nous avoir un résultat ça. Et ça que c'est dommage, ça se dit. Nous en retard, nous avons utilisé ça que nous n'avons pas gagné. Donc, si ça nous pas gagné, là, nous avons cassé tête, nous avons cherché. Tandis que ça nous gagne, nous n'avons pas valorisé. Donc, je pense que c'est extrêmement important pour que nous réorienter et redéfinir l'activité pour nous utiliser la potentialité que nous avons dans le pays d'Haïti, de telle sorte que nous sommes capables d'offrir le pays en l'autre image. Je dis à gagner un nouveau président américain, Donald Trump, qui dit lui-même causer changement climatique là, pas intéressé. Est-ce que vous pensez que ça a fait un coup de frein dans la grosse bataille qui a mené pour gommer avec le changement climatique là? Ça qui est extrêmement important pour que nous connaissions, c'est que dans la question et politique, surtout sur le plan international, lorsque ils sont président des États-Unis qui campent et font des glaçons comme ça, on me dit ou pas capable de minimiser. Mais tout ça que nous connaissons, et pendant que nous avons étudié, nous avons eu la chance de suivre des différents débats, côté que ou gagner des écoles qui viennent, qui disent que les questions de changement climatique, si on fout tout, etc., ce n'est pas un bagage qui pratique, etc. Tout comme vous avez l'autre l'école qui dit, si vous pensez qu'ils sont zombies, etc., mais 1, 2, 3, 4, est-ce qu'on ne peut pas observer ça? Et mais nous-mêmes, nous devons nous positionner par rapport avec les États-Unis, nous positionner par rapport avec ça que nous vivons. Non, sauf que ça que vous faut remarquer, c'est que les États-Unis, c'est un gros poids dans le balancement au niveau planétaire. De ce fait, nous gagnons pour nous travailler, et différents pays gagnent pour nous travailler. Et sous question, discuter avec les États-Unis, notamment avec le président Trump, pour que les vins comprennent que c'est une nécessité pour que les États-Unis travaillent dans ce sens-là. S'ils ne travaillent pas dans ce sens-là, qui sait quoi le passer? C'est que le dérèglement climatique, qui ça pourrait provoquer? Il a provoqué parfois disparition de certaines espèces. L'organe des espèces qui disparaissent, qui ça peut le provoquer? Alors, une espèce, parfois en écologie, on parle des espèces de clé de voûte. Lorsque l'espèce ça disparaît, donc ça veut dire où est chaîne trophique là, pour le casser. Et les chaînes trophiques qui cassé, on a différentes espèces positionnées. Donc l'homme, c'est espèce humaine. Ça veut dire pour espèce qui a appelé à disparaître là, espèce humaine. Ça veut dire que faut-il bien que tout le monde, que ce soit président d'Haïti, président des États-Unis, président de la France, Canada, etc. Tout le monde doit connaître prochaine espèce dans ce que vous pas mettez main ensemble pour que vous consolidez, vous protéger l'environnement. Donc, qui ça peut paraître, c'est que nous-mêmes, en tant qu'espèce humaine, nous avons gagné pour nous disparaître. C'est clair. Est-ce que vous-même, vous avez un engagement citoyen, un engagement politique dans la cause du changement climatique là? Évidemment. Évidemment, choix en tant que député, d'ailleurs, et m'a profité au cas de ça pour me dire à la population haïtienne qui a suivi nous là, nous invitons à venir pour et venir et si c'est pas nous-mêmes qui étions au minimum et comme couverture végétale et minimum comme couverture végétale là, donc c'est grâce avec lutte pauvres paysans ont mené avec bout d'outils et bout de goût, bout de manchette pour que vous fassiez café et qui permet que café a qui lui-même permet que nous kembe quelques pieds bois et qui banon on l'autre milieu, un milieu qui est plus ou moins attrayant et sur le plan environnemental. Et que là, moi-même, en tant que député qui est en zone, qui nous soutient dans une zone comme ça, en tant que agronome qui font bon temps, qui travaille pour nous, comment on a essayé de diminuer l'emprise, l'empreinte sur la question et sol là pour que nous diminuions la question érosion. Donc là, on a un niveau, que ce soit sur le plan professionnel, moins engagé, sous plan politique moins engagé, en tant que citoyen haïtien moins plus qu'engagé. Et c'est pour ça que je fais agronomie, je fais maîtrise dans l'environnement, je suis entré mal président de la commission agriculture, je suis dans la commission environnement, COP22 a fait moins la donne, il y a des débats comme si moins
participer là-dedans. Donc moi-même moi tiens à ce que et plaidoyer pour que l'État haïtien reconnaisse pour que par exemple ça c'est encore toujours fait mal. Moi toujours garder le ministère de l'environnement tant qu'on projet. Tant qu'on projet parce que n'est pas intéressant pour un ministère dans un pays dans état ça pour budget ministère ça environ 600 000 de gourdes. C'est son projet. Son projet, si c'est un baron, c'est sous 10 mois, ou comment l'État ici met des projets. Ça, mais son projet. Donc, nous-mêmes, nous disons que c'est extrêmement important pour tout le monde ouvrir les yeux bien grand sur ce secteur. Ça. Parce que tout le bagage a fait en environnement. J'ai besoin de faire jardin en tant qu'agronome, m'a fait en environnement. J'ai besoin de faire éducation pour le monde, m'a fait en environnement. Donc ça veut dire que la protection environnement c'est pas une question et pas une théorie, c'est pas une thématique. C'est pas une parole en l'air. C'est pas une thématique qui pour faire monde faire quoi, mais pas une parole lui voyer en l'air, n'est qui peut bien comprendre ça pas comprendre et ça va faire et pas ça. C'est une réalité. Nous en face d'ailleurs nous non qu'il faut extrêmement difficile Haïti. Nous, si nous gardons, ça nous fait sous massif de la selle, c'est terrible. Côté que nous avons un forêt qui était 32 000 hectares. Nous battons les journées aujourd'hui, nous avons moins environ tantôt de 6 hectares, tantôt de 7 hectares. Tout le bagage est fini. Forêt est fini. Ça dit forêt est fini, tout le bagage est fini dans mes nous, parce que la visite a déchiré, donc pas que je suis crasé. D'ailleurs, mais encore ça qui n'a pas fait honneur au pays. Comment un citoyen haïtien, un technicien, décide pour après Mathieu Finbassé, pour le dire Pic Makaya, l'évaluation que vous faites, donc comme si, dans le secteur non seulement, dans le secteur environnemental, donc comme vous perdez l'État évalué à près de 700 millions de gouttes. Et 700 millions de gouttes, on dit, laisse ça, ou même qui n'en domaine, non, ou même qui comprennent ce qui est passé, ou dit, mais non, soit monsieur pas. On va parler de qui est-ce? De Franz Zéry, là. Okay. Qui parle, qui dit, on parle comme ça, donc qui n'est pas intéressant du tout. Pic Makaya a lui-même seulement, il y a des pertes qui évaluent à des milliards de gouttes. Ou pas qu'à dire, dans ce secteur-là seulement, il y a environ, tandis que tout le bagage écrasé. Député, merci en pile parce que vous avez participé dans le point avec nous. Nous avons besoin de graines, paroles dans le monde, je dis, ou bien dans le bouchon. Qui le ou Kabamounio comme une date, une dernière date? Et chambre députée a ratifié ou bien qu'a fait ça le mérité faire sous accord de Paris et m'a juste certifié pour nous dire c'est pas chambre députée c'est puisque c'est dans l'Assemblée nationale c'est un accord donc et dans prochaine Assemblée nationale là nous mêmes nous faisons le devoir n'a présenté rapport mission que nous t'ai participé là dans Assemblée nationale non et by parlementaire pour que on connaît niveau engagement Haïti et éventuellement nous pas dit sensibiliser parce que nous sommes certains que t'es déjà sensibilisé parce que nous t'ai dit que dans menu que t'es passé là t'es d'accord pour tout le monde t'a voté et à l'unanimité pour accord de Paris hein. Donc nous espérons et nous sûr que dans l'Assemblée nationale qui va le faire là et accord de Paris il a figuré et l'a ratifié par le parlement ici. Tout à fait. Au bail garanti chambre députée a fait travail. Merci beaucoup. Alors le parlement mais, comme on pas parler pour Sénat c'est pour ça me prend le soin pour me dire chambre députée. Merci député parce que vous avez participé avec nous dans propre point aujourd'hui. Donc et plaisir en plus pour moi pour que moi participer dans l'émission point par point m'a profiter l'occasion pour me dire aujourd'hui merci parce que tu as fait choix moi-même comme invité et merci avec la population qui t'a suivre émission ça et n'a dit que nous-mêmes en tant que mandataire population Tchotla nous toujours motivés et nous toujours là pour que nous bailler des explications au moment opportun et pour nous clarifier et faire devoir que nous gagnons en tant que parlementaire. Merci tout le monde qui t'a suivi. N'a pas rendez-vous bientôt pour un autre numéro.